Et voici une batterie portable, compacte et ultra performante qui peut même monter jusqu'à 150 watts maximum. 150 watts maximum, c'est juste énorme. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici le PB100P. Il s'agit d'une batterie portable vraiment ultra performante. Comme tu peux le voir, en plus de ça, elle est compacte, de la marque Cooktech. Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'elle est aussi dotée d'une charge rapide. C'est-à-dire que là tu peux vraiment recharger, et on le verra ça dans cette vidéo, ultra rapidement cette batterie là. Et en plus de ça, elle peut délivrer jusqu'à 150 watts, ce qui est vraiment pas mal du tout. Cooktech est fondée en 2016. Il s'agit d'une entreprise innovante spécialisée dans les chargeurs rapides et les batteries externes, en rejoignant aussi l'écosystème Xiaomi et en fusionnant avec ZMI en 2022. Cooktech est donc devenu un acteur majeur du marché, vendant plus de 150 millions de batteries externes et 20 millions de chargeurs. Globalement, leur objectif est de créer donc un écosystème énergétique propre et complet pour répondre aux besoins technologiques, ici changeant des consommateurs. Et avant de passer à la phase test, nous allons voir très rapidement les caractéristiques de ce petit bijou. Concernant la couleur, on est sur du gris, on a une capacité de 10 000 mAh, bien entendu au lithium. Concernant le type de connecteur, on aura deux connecteurs ici, un type C et un type A. Voilà, donc ça c'est assez intéressant puisqu'on garde ces deux possibilités là. On a une tension de 5 volts et il est aussi possible de double cliquer sur le bouton pour passer en mode faible courant, pour charger de petits appareils comme par exemple des écouteurs Bluetooth. On aura le port et la charge rapide, par exemple l'USB ici C, c'est 100 watts pour un ordinateur portable, ce qui est vraiment énorme, 27 watts par exemple pour un iPhone, et l'USB A c'est 30 watts, bien entendu compatible avec la Quick Charge 3.0. Bien entendu, lorsqu'on va utiliser un port, on aura la puissance maximale, et lorsqu'on va utiliser les deux ports, eh bien il y aura une répartition au niveau de la puissance. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, que ce soit d'ailleurs pour tout type de batterie. Donc par exemple, quand on a un port, on va voir, comme ce que je t'ai dit juste avant, on peut monter à 100 watts par exemple avec le type C, ce qui est vraiment énorme, 27 watts pour un iPhone, ou alors en utilisant l'USB-A, tu peux monter à 30 watts. Si jamais, imaginons, tu utilises les deux ports, donc ici on a une puissance partagée entre les ports, selon la combinaison, c'est-à-dire que là on a USB-C plus USB-A, on va passer de 65 watts ici en USB-C et 30 watts en USB-A. Une protection contre la surcharge et les courts-circuits, affichage numérique montrant la charge restante en pourcentage, gérer l'écran via le bouton central. On a la charge ultra rapide, recharge un téléphone jusqu'à 55% en 15 minutes grâce à la sortie perfectionnée ici de 100 watts et la recharge d'un iPad Pro jusqu'à 55% en 30 minutes. Et concernant son tarif, en fait il est aux alentours des 40 euros puisqu'il peut avoir des réductions, ce genre de choses. Moi je l'ai vu à 49,99€, mais il peut être aussi moins cher en fonction des réductions. Donc à environ 40 euros, on a vraiment ici, je trouve, une batterie portable vraiment de bonne qualité, en tout cas avec des caractéristiques assez impressionnante. Bon, maintenant on va voir concrètement, on va tester ça ici avec une tablette, un smartphone ainsi qu'un vidéoprojecteur. C'est parti. Bon, et bien c'est parti pour le PB100P. Ici nous allons recharger l'appareil, car quand j'appuie une fois dessus, donc nous avons la petite animation Cooktech et il nous reste 48% de batterie restant. Donc ici on va recharger en charge rapide avec bien entendu le double type C qui est fourni dans la boîte, pour voir en combien de temps globalement je vais pouvoir ici charger le niveau restant. On est sur du 52% restant pour arriver à 100%. Voilà, donc écoute, c'est parti, on va arrêter de blablater, je mets donc dedans et ici nous allons avoir toutes les informations. Donc comme tu peux le voir en haut à droite, nous avons, et il reste ici environ 2 heures, 1 heure, donc on attend un petit peu et puis après on aura les informations qui seront correctes.
On a 30 minutes restant ici pour recharger à peu près 50%, 51% de la batterie. Franchement, c'est ultra intéressant. On est vraiment sur une charge très rapide. Et comme tu peux le voir sur l'écran, on peut voir aussi ici 49,90%, 50%, 50,20%, 25%, 30%. On voit vraiment aussi la charge en temps réel. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On est d'ailleurs, c'est assez impressionnant, on est sur du 58 watts même. Ce qui est vraiment quelque chose. Donc là, j'appuie une fois sur le bouton et nous allons avoir ici tout simplement 2,9 ampères sur une tension de 20,1 volts. Voilà, je réappuie une fois. Donc ici, on peut enlever l'écran. Tac. Et on est déjà à 52%. C'est-à-dire que là, globalement, en l'espace d'une minute à peu près, on a gagné 4%, donc c'est vraiment très très intéressant. C'est parti pour la phase test ici du PB100P qui est juste ici, qui est bien entendu rechargé à 100%. Nous allons donc utiliser avec cette batterie là un vidéoprojecteur. Ici il s'agit du XJIMI MOGO 2 Pro qui fonctionne bien entendu avec ici une alimentation en C. Donc c'est assez intéressant puisque ça va demander un petit peu de puissance. Nous allons utiliser un Poco. Voilà, donc ça c'est tip top aussi. Avec une charge rapide, le Poco. Et puis nous allons utiliser une tablette qui fonctionne super bien. Il s'agit la Mi Pad 5 Xiaomi. Donc là aussi on est vraiment sur une très bonne tablette qui est aussi dotée d'une charge rapide. Donc c'est parti, nous allons utiliser le double type C qui est fourni bien entendu avec le PB100P. On va tout simplement ici hop le brancher dans le Poco. Voilà, donc c'est fait. On va voir la petite animation. Donc ici avec une charge rapide. Avec le Mi Turbo Charge, et comme tu peux le voir, on a une charge, on est monté presque de 1%. Maintenant, on va donc regarder la partie la plus intéressante. Il s'agit donc des informations qu'on va avoir sur l'écran. C'est-à-dire que quand on regarde là, il nous reste bien entendu 100% de batterie. Il nous reste à peu près, avec ici cette recharge-là, à peu près 2 heures environ de batterie restant. On a donc une sortie, comme on peut voir, de type C, bien entendu. Out, une sortie C de 13 watts. Voilà, donc si j'appuie une nouvelle fois dessus, sur le bouton, on aura ici, bien entendu, l'intensité. On est sur du 1,3 ampères et une tension de 9,2 volts. Et maintenant, imaginons, je recharge la tablette. On a aussi le Mi Turbo Charge, voilà, qui se met en route avec un chargement rapide. Et quand on regarde, donc il nous reste 99% de batterie, environ 1h40 ici, de batterie restant. Sur la sortie C, on est sur du 19 watts à peu près en sortie. J'appuie une fois dessus, on est sur du 1,9 ampères et une tension de 9,5 volts. Voilà, donc on a testé rapidement la sortie C pour le moment pour la tablette et pour le Poco. On va tester maintenant avec le vidéoprojecteur qui risque d'être un petit peu plus gourmand quelque part. Bon, et bien c'est parti, on va donc le brancher cette fois-ci au vidéoprojecteur. On a la batterie qui s'allume, on a un petit voyant sur le vidéoprojecteur, puisqu'il fonctionne bien entendu ici avec une alimentation type C. Et donc on allume le vidéoprojecteur, ça va se projeter forcément sur le mur, et on va regarder aussi la consommation. Donc le vidéoprojecteur s'allume normalement, on aura un petit côté rosé, ça c'est dû à mon objectif. Voilà, donc là, aucun souci avec le vidéoprojecteur. On regarde, donc 97% de batterie restant. On voit que tout de suite, forcément, ça a consommé beaucoup plus. Il nous reste 50 minutes à peu près d'autonomie. Et que là, déjà, on est sur du 40 watts à peu près. Donc, on a tout de suite, forcément, ça demande beaucoup plus en puissance. Si ça projette une vidéo de ma chaîne YouTube, une interview me concernant. Donc, comme on peut voir, hein, les couleurs sont OK. Le son OK. Et maintenant, on va regarder... voir un petit peu, donc là on est toujours sur du 40 watts, voilà, on va rester à peu près là-dessus, ce qui est pas mal. 2 ampères en intensité et une tension toujours de 20 volts, voilà, donc ça n'a pas changé de ce qu'on avait tout à l'heure comme information. Donc en tout cas, ça fait fonctionner un vidéoprojecteur, ici le MOGO 2 Pro, hein, c'est quand même un vidéoprojecteur assez récent. Et maintenant, c'est d'utiliser le vidéoprojecteur qui est juste ici. Et d'utiliser aussi à côté le TIPA. Voilà, j'ai branché le TIPA
Hop, il est branché maintenant et on va charger en même temps la tablette. Voilà, donc là c'est chargé. On a l'indicateur d'ailleurs de charge rapide avec le TIPA. Et maintenant on va regarder. On va regarder puisque là on va avoir pas mal d'informations. Donc on voit tout de suite qu'on a 37 minutes hein, d'autonomie restant, on a 89%. On a du 40 watts hein, avec le vidéoprojecteur, donc en type C. Et on a du 10 watts ici en sortie, donc avec le TIPA. Voilà, j'appuie une fois dessus. Là nous aurons donc avec le vidéoprojecteur une intensité de 2 ampères et ici avec la tablette aussi 2 ampères. Et une tension par contre beaucoup plus élevée avec le vidéoprojecteur, 20 volts quand même, donc ce qui est pas mal. Et nous avons ici avec la tablette forcément un petit peu moins, même beaucoup moins, on a 5,2 volts à peu près. Voilà, on sent d'ailleurs aucun souci de répartition hein, au niveau de ici de la consommation. Le vidéoprojecteur, quant à lui, fonctionne super bien. Là, j'ai monté le son, tout se passe bien. On a un petit côté rosé, hein, comme je te l'ai dit, c'est avec l'objectif ici, avec l'appareil que je filme actuellement, mais il y a aucun dérèglement, ce genre de choses, tout fonctionne très bien, sachant qu'on peut aller même beaucoup plus haut hein, finalement avec cette batterie là puisqu'on peut monter jusqu'à ce que c'est marqué dessus 150 watts maximum. Voilà, et que là encore on est tranquillement en train d'utiliser quand même un vidéoprojecteur plus ici en train de recharger en recharge rapide la tablette, la Mi Pad 5. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le PB100P de la marque Cooktech. C'est vraiment un produit, comme on a pu le voir, de qualité, déjà avec des caractéristiques de dingue. Et puis, durant la phase test, franchement, délivre pas mal en puissance, en intensité, en tension. C'est vraiment un bon petit bijou. En plus de ça, c'est compact, ça se recharge aussi, comme on a pu le voir, très très rapidement. Donc ça, je trouve ça un bon point. Si jamais tu oublies de la recharger ou tu fais une petite pause dans un resto, ce genre de choses, et bah tu peux la recharger ultra rapidement. Et derrière, tu peux recharger ta tablette en recharge rapide, ton smartphone. Tu peux, même moi de mon côté, faire fonctionner un vidéoprojecteur. Parce que forcément, on peut monter jusqu'à 150 watts maximum. Donc franchement, on peut quand même utiliser beaucoup, beaucoup de produits. On peut recharger son ordinateur en charge rapide avec cette batterie-là. Donc c'est vraiment pour moi un élément, un produit en tout cas indispensable. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.